La guerra. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un conversatorio más del Instituto de Investigación en Humanidades, el instituto que pertenece al Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Este es nuestro último conversatorio del año, luego del pasado conversatorio con el crítico y escritor argentino Blas Matamoro, que vive en Madrid. Hoy tenemos una ocasión también bastante particular y muy interesante para nosotros de recibir en este caso al profesor Flandorin. Por supuesto, esta oportunidad de también internacionalizar, por otra parte, como ya lo venimos haciendo, estos conversatorios que están abiertos a la comunidad francófona también del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la UBA. En esta ocasión, con un tema por demás interesante, que va a estar guiado en las preguntas con. Tenemos algunos problemas técnicos, pero va a ser posible con la profesora Magdalena Arnoux, que nos acompaña, que pertenece a la Cátedra de Literatura del Siglo XX de la UNSAM y a la Cátedra de Literatura Francesa de la UBA. Y en mi caso, presentarles entonces esta tarde la exposición del profesor Franck Laurent, Roger Queloy en Argentina, 1939-1945, El nacimiento de un escritor, y les leo en español. ¿De qué va a tratar el tema? Durante mucho tiempo, Roger Queloy mantuvo una relación compleja y paradójica con la literatura, pero a pesar de su breve proximidad a André Breton y al grupo surrealista en los años 30, Queloy, que se consideraba entonces un sociólogo, tenía poco aprecio por la literatura, denunciando a menudo sus mentiras o, lo que es más grave, su vacío. Y en este terreno, como en muchos otros, parece que su estancia en Argentina durante la Segunda Guerra Mundial provocó en él profundos cambios que esta tarde brevemente nos va a presentar el profesor Franck Laurent. Franck Laurent es profesor de literatura francesa del siglo XIX y siglo XX en Le Mans Université, donde dirige Diagonales y también es director de la Maison de la Recherche en Humanité en Sciences Sociales. Sus trabajos principalmente están referidos a Victor Hugo, al orientalismo literario y a las culturas coloniales. Es el autor de Viaje a Argelia, una antología de los viajeros franceses a la Argelia colonial, que reporta, digamos, esos viajes de 1830 a 1930. Y también su texto Littérature et politique mêlée, también ese sur Victor Hugo, que salió recientemente en el 2022 por Classique Garnier. Ha organizado también varios coloquios internacionales consagrados específicamente a la prensa en el imperio colonial francés del siglo XIX y del siglo XX, cuyas actas van a aparecer prontamente en el 2024. Es miembro del programa de investigación internacional sostenido por la Unión Europea, SICOMOV, consagrado justamente a la circulación de colaciones científicas, y en el seno de esa investigación es que se integra su trabajo también muy interesante, sobre el cual va a exponer esta tarde, sobre Roger Queloy. Así que, hecha esta presentación, le doy la palabra dándole la bienvenida al profesor Franck Laurent. Bienvenido. Muchas gracias, Walter Romero, y muchas gracias a todas y todos para esta invitación. Bueno, lo siento, pero hablaré en francés. N'y a pas de problème pour moi. Finalmente, después de la grabación va a haber un subtítulo para que todos ustedes puedan, digamos, disfrutar la charla también, aquellos que no sean francófonos. Muchas gracias. Bueno, au soir de sa vie, dans un très beau texte autobiographique intitulé Le fleuve Alphée, qui paraît en 1978, c'est-à-dire peu de temps avant sa mort, Roger Caillois donne sa version d'une vocation d'écrivain plutôt paradoxale, presque négative, mais en tout cas étroitement liée à son expérience argentine. Je cite, En 1942, je fus si frappé par une randonnée en Patagonie que je ne pus m'empêcher de jeter sur le papier quelques-unes des impressions que j'y avais ressenties. Le jour où je l'ai publié, épuré cependant de tout détail anecdotique ou pittoresque pour donner à mes pages la même nudité que celle de la contrée qu'elle s'efforçait de décrire, ce jour-là,
Je devins écrivain malgré moi. Je devins écrivain malgré moi. On est en fait très loin du récit, par exemple, par Proust, du premier texte écrit par son personnage narrateur sur les clochers de Martinville. Cette naissance d'un écrivain est ici présentée comme une surprise, presque comme un mauvais coup fait à un homme qui s'était longtemps raidi contre la littérature. Né en 1913, ancien élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, agrégé de grammaire, le jeune Caillois a pourtant fréquenté assidûment le groupe surréaliste. Mais il rompt avec celui-ci dès la fin de 1934. Non pas tant, comme ce fut souvent le cas, à cause de l'autoritarisme de Breton, avec lequel, du reste, malgré leurs désaccords, il gardera toujours d'importantes relations, mais sur le constat d'un malentendu. Caillois avait espéré du surréalisme une nouvelle rationalité, une conception radicalement neuve de la pensée et de la vie. Il finit par y reconnaître uniquement une école artistique. Or, l'art et sa mystique ne sont alors pas du tout ce qui l'attire. Dans ces années 1935-1939, il fréquente l'école pratique des hautes études, où il suit assidûment les cours du grand ethnologue Marcel Mauss et du grand mythologue Georges Dumézil. Il fonde, avec Georges Bataille et Michel Léris, l'étrange collège de sociologie. C'est là que Victoria Ocampo fera sa rencontre. Et il s'engage dans divers travaux de sciences humaines et sociales. Dans ces milieux, la littérature et l'art n'ont pas forcément bonne presse. Toute une ambiance intellectuelle est alors marquée par l'hégélianisme, celui d'Alexandre Kojève en particulier, qui interviendra au Collège de sociologie. Et toute cette mouvance semble prête à acter la mort de l'art comme activité symbolique désormais dépassée au regard de l'esprit et de la civilisation, et en fait plus ou moins réduit à une sorte de jeu individualiste et puéril. C'est donc dans cet état d'esprit, et précédé d'une petite réputation intellectuelle, que Caillois traverse l'Atlantique à l'invitation de Victoria Ocampo pour donner en Argentine quelques conférences de sociologie. Coincé par la guerre mondiale, il y restera 5 ans. Et c'est en Argentine, donc, s'il faut l'en croire, qu'il devint écrivain malgré lui, en écrivant ce court texte, Patagonie. Alors, permettez-moi d'en donner ici une citation un peu longue, afin d'en apprécier, sans autre commentaire, la puissance littéraire. Je cite donc quelques extraits de Patagonie. Le quatrième jour, le navire se trouve devant une porte gigantesque. De hautes falaises lumineuses barrent sa route et ne laissent devant lui qu'un étroit goulot qui rend obscure leur blancheur éclatante. Les murailles qu'elles élèvent semblent encore un... Pardon. Les murailles qu'elles élèvent semblent enclore un paradis mystérieux. Mais s'écartant avec hâte, elles s'effacent dans le lointain, se confondent avec l'horizon et se rapprochent enfin derrière le bateau, comme pour l'enfermer dans un lac immense et sans issue. Seule leur face d'ombre est bientôt visible, et le soleil qui se lève sur la pleine mer ne parvient sur les eaux encore ténébreuses de la baie que par la fente mince et comme fragile qui en constitue l'unique accès. Voici les bords d'une étendue morne et inhospitalière. Il y court le vent le plus rapide du globe. Il apporte du pôle comme mille et mille flèches de glace qui percent toute protection et fondent cruellement dans les veines et les os, là où semble couver la chaleur de la vie. Jusqu'aux pierres s'usent ici et se trouvent impuissantes à conserver leur forme et leur dureté. Il ne leur servira pas toujours de ne pas respirer. Cette plage est implacable pour la matière elle-même. Elle proclame avec éloquence une loi de destruction universelle et terrible.
Un cadavre manque à l'ossuaire, celui de l'homme qui recueille les restes de ses compagnons. C'est pourquoi les traces de l'homme sont seules absentes du macabre musée d'os, de cuir et de duvet. Bon, alors, Kaiowa devient donc, à partir de 1939, un exilé. Or, chacun sait qu'exil se nomme mélancolie. Et dans le cas d'un intellectuel, fatigue et dégoût d'écrire. Et tous n'auront pas eu la chance d'avoir près d'eux une Victoria Ocampo. Quelles que furent les difficultés et les soubresauts de leurs relations intimes, nul doute que Victoria sut toujours recharger les énergies de Roger. C'est très clair, par exemple, dans cet échange épistolaire de mars 1941. Kaiowa écrit à Victoria le 6 mars. Déjà, les événements d'Europe avaient emporté une grande partie de mon ambition et de mes illusions, en me montrant par contraste avec la réalité leur incroyable ridicule. J'ai peur maintenant que mon genre de vie me fasse encore reculer et perdre jusqu'à l'envie d'écrire, déjà bien diminuée. Et dès le 10 mars, Victoria lui répond: Je veux répondre tout de suite à ce que tu dis sur les conséquences que peuvent avoir pour toi les événements d'Europe et ton nouveau genre de vie. Si ces conséquences arrivent à te faire perdre l'envie d'écrire, c'est que tu consens à te trahir toi-même. La réalité, si dure soit-elle, a une beauté que les illusions n'ont pas. Je n'ai jamais été friande de mirages. Tu crois momentanément que tu n'as pas d'ambition. Sache que j'en ai pour toi. Il est vrai que ce ne sont pas des ambitions, c'est beaucoup plus. Je ne souhaite pas que tu réussisses dans la vie, mais que tu te réussisses. Alors, je n'ai pas l'intention de rappeler ici l'importance de Victoria Ocampo dans le champ intellectuel et littéraire de l'époque, en Argentine et aussi au-delà. Mais je dois avouer que, outre sa culture, son intelligence et ses capacités organisationnelles, sa force de caractère m'impressionne. Voyez par exemple cette lettre à Kaiowa d'août 1940. Alors que la France vaincue va entrer dans la voie de la collaboration et que la Grande-Bretagne, désormais seule dans la lutte, commence à se raidir contre les bombardements massifs de la bataille de l'Angleterre, qu'on appelle le Blitz. Voici ce que je lis dans La Nation et qui me remplit d'aise. Notre vieil ambassadeur habite toujours Londres comme si de rien n'était, et malgré qu'on lui a proposé de revenir tout de suite, comme à Carcano, c'est-à-dire l'ambassadeur d'Argentine en France. Il reste à son poste, sans broncher, excepté avec ses bronches. Il est vieux et il fait des bronchites. C'est ce que j'appelle avoir des couilles non rongées par les fourmis. Je voudrais en avoir de semblables, et je suis sûr que je saurais m'en servir mieux que la plupart d'entre vous, hommes de peu de foi. Bon, alors nul doute que ce côté cougar, hein, mélange de femme virile et de mère un peu abusive, a dû souvent peser aux jeunes exilés. Il n'empêche, c'est sans doute beaucoup grâce à elle que Kaiowa ne fut pas, en cet exil, un homme de peu de foi et qu'il fit quelque chose de son séjour forcé en Argentine. Il faut peut-être d'abord noter ce qu'il ne fit pas et ce qu'il ne fut pas. À la différence de nombreux intellectuels étrangers visitant l'Argentine dans ces années 30 et 40, on nomme ici souvent Los Mirareros, pardonnez mon accent, des gens comme Ortega y Gasset, Walter Frank ou Kaiserling, le jeune Kaiowa ne s'empressa pas de dresser un portrait essentialisant de l'esprit et du destin historique de l'Argentine, voire de l'Amérique latine. Maria Teresa Gramulio le relève à juste titre. C'est une citation extraite de son article Posiciones, Transformaciones y Debates en la Literatura, qui est paru dans le tome 7 de la Nueva Historia Argentina, publié aux éditions Sudamericana en 2001. Page 364.
Je vous épargne la lecture du texte en espagnol et je passe à ma traduction qui vaut à peu près ce qu'elle vaut. Donc voilà ce qu'écrit cette spécialiste de la littérature argentine du climat intellectuel argentin de la période. Roger Caillois fut un voyageur hors du commun. Il était venu donner des conférences en Argentine en 1939 à l'invitation de Victoria Ocampo. Le déclenchement de la guerre l'empêcha de retourner dans son pays jusqu'en 1945. Il écrivit quelques essais sur l'environnement pampéen, en particulier Patagonie, donc. Il écrivit quelques essais sur l'environnement pampéen, mais il ne se sentit heureusement pas obligé d'offrir un diagnostic sur l'Amérique. Il a fait quelque chose de plus original. Afin de maintenir un lien vivant avec la culture résistante de la France occupée, il a obtenu de Victoria Ocampo les moyens de publier une revue, Lettres françaises, et une collection de livres en français, La Porte étroite. Lettres françaises, donc, hein, sous-titré Cahier trimestriel de littérature française, édité par les soins de la revue Stour, avec la collaboration des écrivains français résidant en France et à l'étranger. Cette revue paraît pour la première fois en juillet 1941. La publication se poursuivra selon la même périodicité pendant toute la durée de la guerre. Et il convient de remarquer que, remarquable dans les conditions d'exercice de cette revue, elle est particulièrement soignée en termes de qualité d'impression. Pratiquement pas une coquille. Et en gros, pour cette revue, eh bien, c'est Caillois qui fait tout. Politiquement, le positionnement de Lettres françaises est très clair, et cela d'emblée. Refus de toute forme de collaboration avec l'ennemi nazi et dénonciation des illusions du pétainisme. Or, je rappelle que ça n'est pas si fréquent en 1941. 1941, c'est un moment où la décantation, en quelque sorte, n'est pas encore faite chez beaucoup d'écrivains et d'intellectuels français, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Et certains d'entre eux restent encore plus ou moins fidèles au maréchal Pétain, en particulier. Sans parler de ceux qui ont déjà clairement opté pour la collaboration, voire pour le ralliement au nazisme. Ces derniers sont en fait assez peu nombreux, mais très voyants et très influents. Ce positionnement de la revue de Caillois, il est très clair, surtout dans ses rubriques périphériques, la revue des revues ou l'actualité littéraire. Or, ces rubriques sont rédigées intégralement par Caillois. Ceci posé, vous l'aurez noté, Lettres françaises se présente bien avant tout comme une revue littéraire. Et de fait, Caillois réussira à obtenir, du début à la fin des Lettres françaises, des textes des principaux grands noms de la littérature française identifiés comme résistants, ou au moins n'approuvant pas la politique officielle de collaboration. Quelques exemples de ces auteurs qui ont contribué à Lettres françaises, des exemples parmi d'autres, et en vrac, Malraux, Gide, Breton, Aragon, Bernanos, Éluard, Camus, Rougemont, Massignon, etc., etc. Alors certes, les textes publiés ne relèvent pas tous de la littérature au sens étroit, tel que nous l'entendons aujourd'hui. Aux textes de fiction se mêlent nombre d'essais d'intellectuels. Mais presque tous, et d'abord ceux écrits par Caillois lui-même, Caillois écrit quelques textes qu'il publie dans sa propre revue. Presque tous ses essais sont donc centrés sur le rôle et sur la mission des écrivains dans le contexte de la guerre et de l'occupation. Bref, les Lettres françaises, loin de poursuivre l'idée défendue par Caillois avant-guerre d'une littérature réduite à un jeu frivole et dépassé, s'inscrit pleinement dans cette remobilisation du littéraire comme lieu et marque majeure du conflit politique, de l'avenir de la France, de sa place dans le monde
et aussi d'une certaine idée de la civilisation. Dans ce contexte, la littérature n'est plus un jeu, mais un engagement. Gisèle Sapiro, notamment dans La guerre des écrivains, ou Emmanuel Loyer, dans son livre Paris à New York, intellectuel français en exil de 1940 à 1947, ces deux autrices ont bien montré ce regain de valeur politique et symbolique attribué à la littérature durant cette période, ainsi que la validité alors d'une définition large du littéraire. Dans ce cadre, Roger Caillois se rapproche particulièrement de la poésie via quelques-uns des grands poètes du temps. Jules Supervielle, bien sûr, qui donne à lettres françaises plusieurs. Excusez-moi, j'ai un commentaire de Zoom là qui. Il me dit que j'ai changé de langue, ça m'étonnerait vu mes capacités. Excusez-moi, vous m'entendez toujours bien? Oui, C'est bon? D'accord. parfaitement, parfaitement. Excusez-moi, j'ai une fenêtre là Oui, parfaitement, je vous écoute. qui est arrivée. Bon. J'entends très bien. Alors, je reprends, pardon. Hein. Donc, dans ce cadre, Caillois se rapproche particulièrement de la poésie via quelques-uns des grands poètes du temps, Supervielle, bien sûr, qui donne à lettres françaises plusieurs de ses poèmes de la France malheureuse, et Saint John Perse, surtout, qui donnera à la revue notamment Exil, et avec qui Caillois va développer une intimité de lecteur qui le conduira à écrire un très beau texte critique, Poétique de Saint John Perse, publié en 1954. Mais aussi avec la poésie française du moment, qui, dès le numéro 2 de la revue, sous le titre Anthologie de la nouvelle poésie française deviendra une rubrique récurrente de la revue. Paraissent ainsi à Buenos Aires des textes, pas toujours clandestins dans ces années 40, 41, 42, souvent publiés d'abord dans les petites revues de zone sud ou d'Algérie, comme Poésie, Confluence, Les Cahiers du Sud, Fontaine, et dont beaucoup de ces poèmes seront recueillis en 1944 dans le fameux recueil L'honneur des poètes. Après 1945, de retour en France, c'est encore de littérature que Roger Caillois s'occupe. Au terme d'une assez longue négociation qui durera près de 2 ans, il convainc Gallimard de créer la collection La Croix du Sud, qu'il dirigera pendant plusieurs années, et qui introduira les grands auteurs de la littérature ibéro-américaine en France et de France en Europe et en Amérique du Nord. En effet, La Croix du Sud traduisit et publia plusieurs dizaines de titres majeurs, signés Mistral, Borges, Carpentier, Cortázar, Neruda, etc., etc. Titres et auteurs qui n'avaient jamais été traduits ni publiés hors de leur pays d'origine. Le fait est donc là, et il est massif. Retour d'Argentine, Roger Caillois fut le principal artisan de la mondialisation de la littérature latino-américaine dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors voici donc notre Roger Caillois installé dans la littérature, fût-ce seulement comme passeur et éditeur. En fait, pas vraiment. En effet, il cherche d'abord à entrer au Centre national de la recherche scientifique, hein, le CNRS, le CNRS français, comme sociologue ou comme mythologue. La démarche échoue, mais de peu. Et finalement, il devient haut fonctionnaire de l'UNESCO, institution internationale où il finira sa carrière professionnelle. Tout récemment, Gisèle Sapiro, lors du séminaire de William Marx au Collège de France du 21 mars 2023, le cours et le séminaire sont disponibles sur le site du Collège de France. Gisèle Sapiro, donc s'appuyant sur les archives de l'UNESCO, a rappelé que Caillois a présidé, comme responsable du programme intitulé Des œuvres représentatives, Caillois a donc présidé à la traduction en plusieurs langues européennes et à la publication de plus de 100 textes originaux issus d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie
et d'Océanie. Ceci rappelé, qu'en est-il des écrits personnels de Caillois après son retour d'Argentine? Il semble, en apparence, assez éloigné de la littérature, quoique. C'est dans ces années 1950 et 1960 que Caillois, dans divers articles et travaux, manifeste son intérêt pour les sciences naturelles, principalement zoologie et minéralogie, sans pour autant oublier sa formation initiale et ses intérêts antérieurs en sciences humaines. Son approche des règles animales et minérales mobilise aussi l'histoire des savoirs, la mythologie et la philosophie. Et c'est alors qu'il tente de développer sa théorie des sciences diagonales, militant pour une interdisciplinarité absolument nécessaire dans le but de progrès et d'invention scientifique. Or, c'est de ces travaux consacrés aux sciences naturelles que vont progressivement émerger les textes de Caillois les plus généralement considérés comme littéraires et même comme poétiques. Je veux parler de ses écrits sur les pierres. Alors, il faut d'abord rappeler une tradition. Il y a toute une tradition d'écriture littéraire de ce qu'on appelait alors l'histoire naturelle. Cette tradition, elle est illustrée par exemple par quelques grands romantiques français comme Victor Hugo ou comme Jules Michelet. Mais c'est sans doute une situation plus contemporaine qu'il convient de convoquer pour mieux appréhender l'œuvre naturaliste et plus spécifiquement minéralogiste de Roger Caillois. Il faut d'abord citer Gaston Bachelard, que Caillois a beaucoup fréquenté avant la guerre. Les essais du grand philosophe des sciences sur la psychopoétique élémentale, avec ses essais très célèbres, hein, comme La psychanalyse du feu en 1938, L'eau et les rêves en 1942, La terre et les rêveries de la volonté en 1948, etc. Ces essais ont encouragé et justifié Caillois dans sa démarche à la jointure de l'histoire des sciences et de la poésie. Et du sein même du champ poétique, rappelons qu'ont émergé en 1942, l'année même de Patagonie, mais c'est une coïncidence, deux œuvres qui, par de multiples aspects, invitent à la comparaison avec l'œuvre que Caillois consacrera quelques années plus tard aux pierres. Je veux parler de terraqué, terme vieilli qui désigne le globe terrestre, composé de terre et d'eau, terraqué donc de Guy Vic, et puis bien sûr du parti pris des choses de Francis Ponge. Bon, le rapprochement est intéressant et fondamental, mais on perçoit aussi les différences. Car les écrits de Caillois sur les pierres sont tous étroitement indissociables d'une situation et d'une pratique spécifique. Situation et pratique que ne partagent ni Ponge, ni Guy Vic, ni Bachelard. C'est-à-dire celle d'un collectionneur d'échantillons minéralogiques. Il faut savoir que Caillois a constitué une collection privée à partir des années 50, qui a fini à sa mort par rassembler plus de 1200 échantillons, lesquels ont été donnés d'abord en partie, puis intégralement au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Bon, ceci dit, vous me direz, on s'est bien éloigné de l'Argentine. Eh bien, s'il faut en croire à nouveau le fleuve Alphée, ce texte autobiographique quasi testamentaire que je citais pour commencer à propos de Patagonie, pas tant que ça. En effet, là aussi, Caillois renvoie à son séjour latino-américain l'origine quasi mythique de cette passion pour les pierres qui finira par lui faire accepter d'être un écrivain. Je cite donc un autre extrait du fleuve Alphée. Pour les pierres, au moins une péripétie m'avait déjà orienté vers elles. C'était, je crois, en 1942, à Belo Horizonte. Le Brésil fournissait la Grande-Bretagne en quartz pour les radars. Il le fallait d'une pureté sans défaut.
Dans de vastes hangars, des ouvriers spécialisés vérifiaient les fragments qui avaient satisfait à un premier examen et faisaient sauter au marteau les parties contestables qui pouvaient subsister. L'envie me prit d'emporter quelques-uns des prismes rejetés comme visiblement inutilisables. Je fus invité à choisir parmi les rebuts. Plusieurs prismes de quartz dits fantômes me séduisirent. Il s'agit d'aiguilles hexagonales, comme toutes les autres, mais à l'intérieur desquelles leur propre image se répète plusieurs fois en décroissant. À ma rentrée en Argentine, pays neutre, mes bagages de ressortissant d'un pays en guerre furent soigneusement fouillés. Le quartz était classé comme matériel stratégique. Mes prismes méprisés furent confisqués. J'eus beau protester avec véhémence que justement ceux-ci avaient été jugés défectueux et qu'il m'en avait été fait cadeau pour cette raison. Rien n'y fit. Je fus désolé. Je m'attachais avec désespoir aux perspectives transparentes et vertigineuses qui, maintenant qu'elles m'étaient ravies, me paraissaient soudain trésors inestimables que je ne retrouverais jamais plus. Je n'avais encore nulle idée de la structure d'un cristal. Alors, comme dans tout bon mythe d'origine, chaque élément du récit fait sens, en quelque sorte programmatique. L'entrée véritable de Kaïwa dans les mystères du règne minéral ne se fera pas sur le mode du paysage. Pas les hautes falaises de Patagonie, ni ce désert de pierre derrière Toulon qu'il affectionnait et qu'il invita Victoria Ocampo à visiter en 1939. Non, cette entrée dans la magie, le mystère du règne des pierres, elle se fait par l'intermédiaire d'un objet, d'un échantillon qu'on peut tenir en main, manier, soupeser, observer à travers la lumière. Cet échantillon, c'est un rebut, déclaré inutile à tout usage industriel, voire seulement utilitaire, quand d'autres exemplaires sont haussés, au contraire, au rang de matériaux stratégiques d'une industrie pointe et d'une industrie de guerre. Il y a aussi la frustration initiale, intense, constituée en source inépuisable du désir obsessionnel du collectionneur. Ce quartz fantôme, la douane argentine le lui a confisqué. Vu la suite de ses écrits, elle a sans doute bien fait, puisque c'est manifestement cette perte initiale qui a alimenté le désir d'abord du collectionneur, puis de l'écrivain et du poète. Et puis encore, la situation évoquée ici très clairement, de manière très concrète, à travers cette anecdote, la situation toujours fragile vis-à-vis des autorités locales, de l'exilé, surtout en temps de guerre. Et puis enfin, un rapport de curiosité émerveillée à l'objet élu, rapport vierge encore de tout savoir, mais qui appelle à s'instruire. Et de fait, Kaïwa acquérera par la suite de sa fréquentation des pierres et des spécialistes des pierres une certaine culture scientifique en minéralogie. Et plus précisément encore, peut-être, on notera que dès la publication du premier de ces textes consacrés aux pierres, du texte recueilli plus tard dans le recueil Pierre, qui s'intitule Soleil inscrit, au pluriel, soleils inscrits sur les agates, qui paraît à l'ANRF en 1965. Dès la publication de ce texte, donc Kaïwa revient à l'Argentine, à Patagonie et à Victoria Ocampo, à laquelle il écrit à cette occasion: Mon prochain livre sera sur les pierres, comme je te l'ai déjà dit. As-tu lu mon texte du numéro de janvier à l'ANRF, sur les inscrits donc? Je voudrais beaucoup, beaucoup avoir ton avis. Il répète beaucoup. Depuis Patagonie, il me semble que c'est ce que j'ai écrit de mieux, forme et fond. Lettre du 4 août 1965. Alors, quel est le statut générique de ces textes? C'est de la science, c'est de la littérature, c'est de la poésie. Alors, il faudra entrer dans le détail et je n'en ai pas le temps aujourd'hui, mais
ce qu'on peut simplement mettre en avant, et c'est un argument assez fort, au bout du compte, c'est que ce qu'on appelle la médiation éditoriale a presque d'emblée tranché la question. En cela que Pierre et d'autres textes sont très vite repris dans la célèbre collection de poche Poésie Gallimard. Poésie Gallimard. Quant à l'écriture de Pierre, autre grand texte, il paraît en 1970 à Genève, aux éditions Skira, dans la très prestigieuse collection Les Sentiers de la Création, dont le projet était de faire dialoguer un écrivain avec l'œuvre d'un artiste visuel. Des exemples les plus célèbres de cette collection, c'est le Manet de Georges Bataille. L'inscription de tels textes dans le domaine de la littérature, de la poésie, de l'art, a été généralement acceptée. Et d'abord par Caillois lui-même, acceptant enfin de se dire écrivain. Et à lire ne serait-ce que les premières lignes de Pierre, publiées donc en 1966, il y a sans doute de quoi. Je cite cette ouverture du recueil de 66. Je parle de pierres qui ont toujours couché dehors ou qui dorment dans leur gîte et la nuit des filons. Elles n'intéressent ni l'archéologue, ni l'artiste, ni le diamantaire. Elles n'ont connu d'outils que ceux qui servaient à les révéler. Le marteau à cliver pour manifester leur géométrie latente, la meule à polir pour montrer leurs grains ou pour réveiller leurs couleurs éteintes. Comme qui, parlant des fleurs, laisserait de côté aussi bien la botanique que l'art des jardins et celui des bouquets, il lui resterait encore beaucoup à dire. Ainsi, à mon tour, négligeant la minéralogie, écartant les arts qui font des pierres usage, je parle des pierres nues, fascination et gloire, où se dissimule et en même temps se livre un mystère plus lent, plus vaste et plus grave que le destin d'une espèce passagère. Poésie, oui, certes, je crois, on peut le dire, mais poésie d'un poète qui n'oublie jamais les beautés de la science, surpassant peut-être, ou moins parfois, celle de la poésie elle-même. Un exemple parmi tant d'autres, toujours extrait de Pierre, foyer profond de l'opaque absolue, la nuit soudain adamantine. Cette épithète de minéralogiste, nom de poète. En fait, Roger Caillois, cet écrivain qui cherchait à fonder des sciences diagonales, résiste jusqu'au bout à toute inscription trop ferme dans une case spécifique des savoirs et des discours symboliques. Au moins, n'est-ce pas de la sorte qu'on garde une chance de le comprendre, ou même seulement de le caractériser. En revanche, il semble indiscutable que cette aventure très particulière d'écriture s'est profondément enracinée dans l'expérience argentine de son auteur. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Laurent. Extraordinaire la fin avec cet extrait de Caillois très poétique et très, très intéressant d'entendre aussi. Magdalena, tu es là? Tu vas Voilà. bien? Oui. Me voici. Oui, merci énormément, Franck. C'est extrêmement intéressant. Et Walter n'a peut-être pas évoqué au début de la présentation que pour nous, il est super intéressant d'évoquer Roger Caillois, puisque dans le cadre d'une recherche que nous menons, qui commence à peine au sein de la chaire de Literatura Francesa, nous travaillons justement cette période en étudiant surtout certains auteurs français. Mais l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi cette période, c'est parce qu'à ce moment-là, comme tu l'évoquais, la vie politique, la guerre a fait en sorte que ce petit port d'Amérique latine, éloigné du monde, éloigné des grands centres de l'époque, est passé quelque peu, je ne dis pas au premier plan, mais a eu quand même une certaine visibilité. Et Ouais, oui. attends, je me permets de
de mettre un petit bémol. Hein. Enfin, Buenos Aires en 1940, c'est quand même pas. C'est pas trifouiller les doigts, hein, comme on dit par chez nous. Hein. C'est Ouais. pas. Voilà, c'est quand même un des grands moments hein, du rayonnement, notamment intellectuel, de l'Argentine. Alors évidemment, il faut voir dans le détail parce que les productions symboliques ne circulent pas somme toute tant que ça, mais enfin, c'est quand même un grand moment. Et là, il y a quand même une représentante de commerce qui est assez efficace, qui s'appelle Victoria Ocampo. Hein. Oui. Elle, quand même, dans toutes les années 30, Oui. passe son temps à faire les retours et qui a quand même une efficacité assez grande en termes de promotion de la culture, disons, allez vite, argentine. C'est aussi un moment où, par rapport aux grands voisins comme le Brésil, par exemple, c'est encore un moment où l'Argentine est au moins aussi importante en termes de rayonnement culturel international que le Brésil. Ce sera moins vrai à partir des années 60-70. Il y a une chose qui m'a toujours frappé, d'ailleurs, que j'ai appris de Nathalie Richard, donc, dans le cadre un peu, enfin, en marge du cadre de ce programme de recherche, c'est que faut pas oublier que le premier câble transatlantique vers l'Atlantique Sud, qui est posé, si je me souviens bien, à la fin des années 1860, il débouche pas à Rio, hein, il débouche à Buenos Aires. Il est tenu par Havas. Hein, d'où aussi la forte présence jusqu'en 46 au moins d'un quotidien francophone, le Courrier de la Plata, quotidien. Et qui est l'héritage direct hein, du fait que le câble transatlantique pour l'Amérique du Sud est débouché à Buenos Aires et qu'il était obtenu par une agence de presse française. Bon, voilà, une bricole. Alors, ceci étant dit, c'est clair que pour ce qui est de tout ce phénomène assez large hein, des écrivains en exil, bien plus large que Buenos Aires ou ailleurs, hein, pendant la période de leur existence, enfin, de l'occupation, plutôt. En France, et pas en France, parce que ce phénomène de l'occupation nazie, il concerne pratiquement toute l'Europe. Hein. Mais dans le cas français, en tout cas, bah, il a souvent été un peu. Alors d'abord, pas toujours étudié, parce que, bon, il y avait Londres, ok. C'est à Londres, on connaissait bien les intellectuels qui ont rejoint De Gaulle ou qui l'ont plus ou moins fréquenté à Londres, ceux-là, on les avait bien repérés et étudiés. Mais il y a eu toute une série d'autres exils et qui, à ma connaissance en tout cas, n'ont fait qu'assez récemment, dans la dernière dizaine d'années, en France en tout cas, hein, l'objet d'études un peu systématiques. Mais enfin, qu'on s'est quand même beaucoup focalisé sur New York. C'est normal d'ailleurs, hein, ce qui est normal parce que c'est quand même un des lieux de destination qui a vu le plus grand nombre d'artistes, d'intellectuels, d'écrivains français exilés de l'autre côté de l'Atlantique. Mais il y a d'autres lieux. Il y a d'autres lieux. Il y a le Mexique. Benjamin Perret, par exemple. Pas rien. Mais j'ai Entre pensé autres. à la, mais j'ai Il y a pensé à Buenos Aires. Et puis il y a Buenos Aires. Voilà. Et ce qu'il y a, pardon, je finis juste, hein, ce qui est intéressant à constater, c'est que ça circule beaucoup. Hein. Les textes que Caillois réussit à obtenir pour Lettres françaises à Buenos Aires, très souvent, il les demande, entre guillemets, à ses collègues émigrés aux États-Unis. Saint-Jean Perse, Breton, etc. Et tout ça circule, il s'envoie. Alors, il a beaucoup de mal à faire venir des revues, des exemplaires de France occupée notamment. Mais enfin, il a plus facilement accès aux publications de Londres. Mais il y a aussi tout ce transit hein, des différentes revues et publications et éditions en français d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Tout ça circule, c'est intéressant à savoir et puis après à étudier dans le détail quand c'est possible, pas toujours facile. Pardon. Non, je me posais à la question en t'entendant l'exposé d'une petite tradition de pourquoi la Patagonie? Pourquoi la Patagonie je ne sais pas pourquoi je pense à Jules Verne, les phares du fond du monde, à toutes les fictions de Verne
qui sont faites en Patagonie, aussi à Superviel, aussi à Saint-Exupéry. Il y a eu un moment très important en Patagonie qui change, c'est le village patagonique, le village argentin de cet écrivain. Je pense à Prequeloa, par exemple, à le livre qui a écrit aussi Houellebecq sur la Patagonie. Et s'il y a, ils vont faire un petit Tu me permettras de mettre Houellebecq à part, hein, d'accord? Mais il a écrit Oui, un livre sur la Patagonie. oui, Oui. oui. Mais bon, Il a fait ça aussi, non, oui. et aussi à la présence. Parce que vous me permettrez de ne pas parler de Houellebecq. Voilà. Oui, non, mais aussi à la tradition française que nous avons avec les rois Aurélie, Antoine de Thunan et tout. Oui. Et pour ça, je pense qu'il y a quelque chose du virage patagonique ou du virage américain qui, dans le cas de Kélua, c'est très important, et la découverte de la pierre et le rapport avec le sacré, je pense. Mais. Oui. Oh. Mais tu sais, la Patagonie. Tu es d'accord qu'il y a quelques petites traditions que nous Ah pouvons bah bien faire? sûr, mais rendez-vous compte, vous, c'est différent. Vous êtes sur place, quoique Buenos Aires, c'est la Patagonie, c'est loin. Enfin, c'est le même pays. Mais imaginez-vous pour un Européen, hein, pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, comme dirait Baudelaire, bah, c'est littéralement le bout du monde. Oui. Quand on voit ça sur la carte, je veux dire, c'est un endroit quasi magique, de manière presque abstraite, d'abord. Hein. Et bien, encore une fois, pour un Européen. Donc, évidemment, il ne faut pas s'étonner que Caillois, qui se retrouve à Buenos Aires un peu par hasard, bah, la première chose qu'il a envie de faire, c'est d'aller en Patagonie, d'aller voir ça, quoi, lui aussi. Hein. Maintenant, je pense que c'est quand même. Au-delà de ces éléments presque un peu touristiques. Alors, d'une part, il y a une chose que Caillois ne fait pas, encore une fois, c'est de monter toute une sauce sur la civilisation argentine ou l'absence de civilisation argentine. Hein, tout ce discours qu'on trouve quand même chez beaucoup d'intellectuels des années 30 visitant le pays. En gros, l'Amérique, l'Argentine, l'Amérique du Sud en général, n'est pas encore entrée dans l'histoire. Ce n'est pas du tout le propos de Caillois. Caillois, son texte sur la Patagonie, c'est vraiment une sorte de. C'est le compte-rendu d'une claque, en quelque sorte. Il a pris une claque. Voilà, physique, phénoménologique, quelque sorte. Et ce qu'il en tire. Parce qu'il en tire quelque chose quand même d'assez abstrait, au-delà de la description physique qui est très belle et très forte, c'est l'extraordinaire résistance de l'espèce humaine. C'est vraiment ça qu'il tire. Il y a des gens qui arrivent à vivre dans cet environnement. Ça veut dire que quand même l'homme. Alors, c'est intéressant parce qu'en plus, Caillois, c'est quelqu'un qui, surtout dans ses textes sur les pierres, mais même en général, est quelqu'un qui relativise beaucoup hein, la supériorité de l'espèce humaine. C'est une espèce passagère. Ça passera. Il y a une métaphysique immanente chez Caillois qui relativise beaucoup certain humanisme. Mais là, en Patagonie, ce qu'il voit avant tout, c'est ça. C'est-à-dire que. Les rochers s'usent, les moutons ils sont obligés de manger une herbe qui est tellement dure qu'en un an, ils n'ont plus de dents. Sur la plage, il n'y a que des cadavres d'animaux, de toutes les espèces, d'herbes, etc. Il n'y a pas de cadavres d'hommes parce que l'homme enterre ses morts. Et l'homme réussit à vivre là-dedans. C'est ça la leçon. Hein, on est très loin de ce point de vue de Laura Kadmi, Schubert, ou beaucoup d'autres. Et en tout cas, pas du tout de discours plus ou moins condescendant sur et donneur de leçons sur qu'est-ce que doit faire devenir l'Argentine, l'esprit argentin, etc. C'est pas son truc. Il est bien reconnaissant et bien content qu'on l'accueille. Et surtout qu'on lui donne la possibilité, parce qu'il ne peut vraiment pas gagner, de faire ce qu'il estime avoir à faire en tant qu'écrivain français.
Je pensais, Franck, que l'histoire, un peu la trajectoire de Roger Caillois est la même que l'écrivain polonais Witold Gombrowicz. Il est venu, lui, comme ça, pas pour donner des conférences, mais en voyage de plaisir. La guerre a démarré et il s'est retrouvé ici sur place et il n'a pas pu rentrer en Europe que bien après. Alors dans son cas, ça a été un peu, il a écrit son journal argentin, il y a beaucoup de pages consacrées à l'Argentine. Il a été en contact avec les écrivains argentins, il y a même des histoires un peu mythiques parce que, bon, liées à la traduction de ses livres en espagnol, alors que lui parlait mal l'espagnol, les autres ne parlaient pas le polonais, etc. Je me demandais un peu si à partir de ce que tu as lu de Roger Caillois, sa correspondance, quel rapport a-t-il entretenu avec les écrivains, les intellectuels locaux argentins, est-ce qu'il a quand même, il en parle, est-ce qu'il... Oui. Alors, avec Gombrowicz, je ne sais pas. Franchement, j'avoue mon ignorance. Il faudrait que je cherche davantage. Ce n'est pas du tout impossible, hein, parce que c'est un petit milieu, tout ça, hein. Ils vivent un peu les uns sur les autres, hein. Donc, voilà. Mais je ne sais pas. Par contre, avec le milieu des écrivains argentins, bah oui, évidemment. Au quotidien, pour ainsi dire. Bah, il travaille à Sourd. Hein, il n'est pas mieux placé, il n'y a pas mieux comme poste d'observation et lieu de rencontre de tout ce qui compte dans la vie artistique et intellectuelle de l'Argentine de ces années-là que de travailler à Sourd. Donc, oui, il rencontre tout le monde. Et puis là, on a plein d'anecdotes hein, qui, parfois d'ailleurs, finissent un peu par masquer les choses plus importantes. Par exemple, on sait que ses relations avec Borges étaient globalement exécrables. Bon, et donc du coup, j'ai cru comprendre à plusieurs reprises en venant ici que pour les Borgesiens, au Caillois, hein, bon, oui, bah, enfin, c'est un détail, ça. Ce qui compte, c'est que c'est Caillois qui introduit Borges en France. Hein, c'est ça qui compte. Hein. Alors, il ne le traduit pas bien, on est d'accord, c'est pas un traducteur. Après, il y en a d'autres qui vont prendre le relais. Mais peu importe, il le traduit, il le fait publier, et puis pas n'importe où, chez Gallimard. Il faut comprendre ce que c'est encore que Gallimard dans les années 50. C'est-à-dire, ce qui se publie chez Gallimard, dans l'année, ça se publie à peu près partout en Europe. Hein, et en Amérique du Nord. Hein, c'est une porte d'entrée encore absolument fabuleuse. Donc oui, il a connu tous ces gens-là. Alors il y a des gens qui l'aiment plus ou moins, hein, bien sûr. Il apprécie beaucoup Mistral, par exemple. Manifestement, il y a une amitié. Hein. Bon, super vieille, évidemment, mais ça, il l'avait déjà rencontré, je crois, en France. Bon, en tout cas, c'est quand même essentiellement pendant son séjour argentin qu'il développe des relations amicales avec super vieille. Et puis, bon, bah, voilà, tous les autres, quoi, hein. John Cazares, Silvina Ocampo, etc. Enfin, c'est des gens qui ont une sociabilité commune, quoi. Ils font dîner ensemble, ils boivent des coups ensemble, ils s'engueulent. Bon, voilà, mais c'est oui, vraiment il est dans ce milieu. Hein, il est dans ce milieu. Bon, de ce point de vue, il a énormément de chance. Encore une fois, la vie, l'œuvre et la carrière de Caillois doivent beaucoup à sa rencontre avec Victoria Ocampo. Hein, aucun doute. Même encore à son retour en France, d'ailleurs, parce que elle n'est pas étrangère à sa nomination à l'UNESCO. Elle a poussé sa candidature. Oui. Et Et je... ceci dit, d'ailleurs, c'est une grande fidélité. Alors, je ne parle pas de fidélité amoureuse, hein, parce que là, par Ouais. contre, voilà. Mais c'est une grande fidélité intellectuelle, hein. Leur correspondance dure jusqu'à leur mort, hein. Elle est très belle, d'ailleurs. Ouais. Je me demandais également, Franck, un peu quelle est la place de Roger Caillois aujourd'hui dans la littérature française. J'imagine un peu, d'après ce que tu disais, principalement, non, cette place particulière, passeur, traducteur, éditeur, diplomate, pour ainsi dire, voilà. Et même ce qu'il écrit est assez particulier. Donc, je me demande si à l'heure actuelle, ben, on l'étudie, on le lit, on le publie, est-ce qu'il y a des recherches sur lui dans le milieu universitaire, quelle est un peu sa place aujourd'hui? Alors, je crois sentir qu'il y a un regain d'intérêt. Mais Caillou a longtemps été oublié. Hein. Alors, déjà, pour une raison toute bête, c'est qu'on ne savait pas où le classer.
Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais je pense que c'est un peu pareil partout dans les traditions académiques, hein. Quand vous ne tombez pas dans une case bien définie, ben, y a pas mal de chances que, du coup, voilà. Hein. Alors, pendant longtemps, moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, ça commençait à remonter, hein, dans les années 80, on en parlait souvent pour ses écrits sur le fantastique. Je n'ai pas du tout abordé, là, dans la conférence, mais ça a été un des spécialistes importants du fantastique, hein, avec des approches très intéressantes. Hein, qui... Pas du tout, enfin, pas du tout, c'est pas non plus totalement orthogonal, mais contradictoire, mais enfin, c'est très différent des approches d'un Todorov, ou proche d'un Louis Vax, mais en même temps, il apporte dans cet intérêt pour la littérature fantastique toute sa culture et tout son background d'ethnologue et de mythologue. Donc c'est voilà c'est et puis ça voilà hein, ça je dirais que à partir des années 90-2000 ça n'était pas parmi les auteurs très lus, encore moins étudiés. Il y a une chose qui est toujours restée et ça revient un peu par là d'ailleurs l'intérêt pour Caillois, mais ça n'a jamais totalement disparu, c'est les pierres. Ça a toujours été édité, par exemple. Hein, le volume Pierre en poésie Gallimard, il a toujours été réédité. L'écriture des pierres chez Skira, par contre, là, c'est devenu un objet rare. D'ailleurs, paradoxalement, c'est. Ils ont des livres, non? Pierre et l'écriture de Pierre. Oui, en fait, c'est toute une série de textes. Hein. Donc, les principaux sont réunis dans le recueil qui est assez court d'ailleurs, hein, au total. Pierre, tous les pierres, Pierre. tout simplement. Voilà. Et puis, l'écriture des pierres, ça c'est à part. Et c'est d'autant plus à part que, comme c'est chez Skira, la Gallimard n'a pas réussi à avoir tous les droits. Hein. Donc, même dans les œuvres complètes ou presque complètes qui ont été publiées récemment, notamment le gros volume Quarto hein, chez Gallimard, je ne sais pas les œuvres complètes d'ailleurs, loin de là. Enfin bon. Un gros volume, il n'y a pas l'intégralité de l'écriture des pierres. Il y a seulement quelques extraits. Et manifestement, je ne connais pas le détail. C'est évidemment des questions de droit. Et donc, l'écriture des pierres, c'est à part parce que là, contrairement aux autres, il y a les photos. C'était le principe, hein, des sorciers de la création, comme je l'ai rappelé. Et donc, il y a une sorte de dialogue qui n'est pas d'ailleurs vraiment toujours très étroit. C'est pas de l'illustration non plus, hein. C'est pas de la légende, c'est pas de la légende de photos, c'est plus compliqué que ça. Mais il y a une sorte de dialogue entre le texte et l'image. Alors ça, c'est assez spécifique. Et ce livre, lui, il est difficile à trouver. D'ailleurs, je vous remercie parce que grâce à une collègue que vous devez connaître, Irina Podgorny, j'ai réussi à l'avoir dans la libraire en ligne argentin. Mais en France, je n'ai pas réussi. Bon. Oui, il y a un regain. Il y a manifestement un regain d'intérêt pour Caillois, mais après une grosse période de purgatoire, disons. Hein. Et puis de toute façon, encore une fois, il n'a jamais été vraiment. Il n'a jamais fait partie des canons universitaires français, parce que. On ne sait pas trop où le classer. Mais il y a un regard d'intérêt, c'est très clair. Y compris dans son rôle d'acteur culturel, en quelque sorte, hein, de passeur. Hein, c'est, à mon avis, tout à fait caractéristique que Gisèle Sapiro, poursuivant son long travail sur l'autonomie de la littérature, le champ littéraire du XXe siècle, etc., etc., on soit venu à rencontrer Caillois. Dans les archives de l'UNESCO. Le développement de l'histoire culturelle, de ce type d'histoire culturelle, sociologie de la littérature, peut bénéficier aussi à ce genre d'individus. Et qu'en est-il, Franck, des lettres françaises? Tu as parcouru un peu les numéros, j'imagine. Et alors, est-ce que c'est des textes, tu disais, c'est des textes littéraires, mais en même temps, c'est des textes certainement marqués par la guerre, par la situation du moment. Comment on lit aujourd'hui ces textes-là? Comment on pourrait, avec une certaine distance, les...
Alors après, c'est une revue, hein, donc il y a un peu de tout. Hein, c'est difficile de généraliser. C'est une revue qui a quand même au total une grosse 18 numéros, hein, qui fait à peu près à chaque numéro fait une petite centaine de pages. Hein, donc il y a quand même beaucoup de variété. Ben, je dirais, c'est avant tout, enfin, le critère de publication, manifestement, c'est des grands textes, des grands noms, pour beaucoup en tout cas, des grands textes, des grands noms, et qui prouvent que toute la littérature française ne s'appelle pas Drieux-La Rochelle, quoi. Et là pour ça. Hein, dire, voilà, l'esprit français, la littérature française, la culture française n'est pas tout entière collaborationniste, loin de là. Alors on a des grands noms et on a des grands textes. J'ai cité par exemple Exil. Bon, Exil de Saint-Jean-Perse, ça apparaît d'abord dans Lettres françaises. Le fameux texte de Malraux qui est repris dans ce roman inachevé, qui sera quand même publié plus tard, mais c'est une histoire éditoriale un peu compliquée, finalement, il publie ça dans les Antimémoires, Les Noyers de l'Altenberg. Non, d'ailleurs, c'est encore autre chose. Enfin bon, bref, c'est publié finalement dans les Antimémoires, donc assez longtemps après, qui est La Fausse à Char, hein, une évocation d'un qu'est-ce que c'est que qu'être dans un char militaire, un char d'assaut, on va tomber dans une fosse, hein, dans une fosse défensive, etc. Un truc très très balroussien, très très Malraux, de l'espoir, quoi, en quelque sorte. Hein. Et ben, il paraît dans le premier numéro de Lettres françaises, d'abord. Il y a les textes de Gide. Et puis, il y a des nouveaux venus, voire des sans-grades, hein, de cette poésie de la résistance qui alimente toutes ces petites revues. Hein. Mais enfin, il n'y a pas que des gens, il y a Éluard, par exemple. Hein. Il y a Éluard, il y a Aragon, un peu plus tard, etc. Mais ça, c'est les textes qu'on va piocher, en quelque sorte, qu'il essaye de piocher dans ces petites revues tellement poétiques, tellement caractéristiques, hein, de l'occupation, notamment des premières années de l'occupation. C'est par là et par ce biais-là qu'on peut faire passer des textes résistants, qui souvent ne sont pas tellement soumis à la censure, parce qu'en gros, on se dit la poésie, ce n'est pas important. En grande partie, c'est ça. On va surveiller de très près les essais, éventuellement les romans, la poésie, surtout quand c'est dans les petites revues comme ça que pas grand monde connaît. Et c'est en grande partie pour ça qu'un des poèmes les plus célèbres, hein, de la résistance, Liberté, j'ai cru ton nom, hein, est passé. C'est très étonnant, mais c'est passé, ça. Tout simplement parce que manifestement, les censeurs ne sont pas allés jusqu'au bout. Vous savez, sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, j'écris ton nom, j'écris ton nom. Bon, c'est un poème d'amour. Allez, on laisse couler, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. J'écris ton nom, liberté. Et du coup, ça parut, voilà, dans Poésie, je crois, sans être censuré. Bon, à partir de 1943, ça devient beaucoup plus chaud. Hein. La plupart des textes paraissent de manière clandestine dans les journaux clandestins de la résistance, sauf ceux qui sont basés en Afrique du Nord, bien sûr, comme Fontaine. Mais donc il y a plein de choses. En tout cas, en règle générale, c'est du bon niveau, hein. C'est pas une revue fanzine, hein. Il y a des grands noms, il y a des grands textes, il y a du Bernanos, il y a plusieurs textes de Denis de Rougemont. Enfin, je veux dire, c'est. Voilà, hein. Alors, c'est souvent des textes qui ne sont pas en exclusivité non plus, hein, pour la revue. Très souvent, ça circule. Hein. Il y a de la multipublication, surtout dans cette période-là. On ne va pas réclamer les droits d'auteur. Hein. Donc, très souvent, ça a été publié aussi à Londres, à New York, etc. Mais dans certains cas, c'est des exclusivités ou en tout cas des priorités. Mais merci. Ben non, Merci merci. beaucoup, Franck. Merci énormément. Voilà, donc je sens que ça va être à notre première rencontre et puis j'espère que nous allons poursuivre Avec plaisir. Avec plaisir, avec grand dans plaisir. l'avenir. L'impression que c'est quand même un territoire assez peu fréquenté et où il y a encore beaucoup de lectures à faire, certainement, et de trouvailles et de choses intéressantes à dire.
Donc, merci énormément. Walter certainement veut clore la rencontre. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo al profesor Laurent por esta exposición tan interesante y las preguntas sobre Roger Kellois en Argentina, el nacimiento de su escritura, acaso. Y bueno, les contamos a todos que nuestra emisión, nuestro conversatorio va a estar subido a nuestro canal de YouTube. Para que lo vean aquellos que puedan acceder al francés, o también vamos a ofrecerlo en subtitulado muy prontamente a partir del lunes. Así que bueno, y con esto concluimos este ciclo del 2023 de conversatorios en el Instituto de Investigación en Humanidades Gerardo Pagés, perteneciente al Colegio Nacional de Buenos Aires y a la Universidad de Buenos Aires. Así que les agradecemos a todos esta tarde y especialmente a nuestro invitado de hoy, el profesor Frank Laurent. Muchas gracias a todos.